On se retrouve aujourd'hui pour une séance particulière, on va faire du gainage. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Pour cet entraînement, je vous propose une succession d'exercices que l'on va faire pendant 20 secondes de travail, suivi de 20 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Pensez à garder votre bouteille d'eau à proximité, c'est très important de s'hydrater pendant vos séances de sport. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci mille fois pour tous vos super messages que vous m'écrivez. C'est une immense source de motivation pour moi. Et si vous ne faites pas encore partie de cette super communauté, abonnez-vous et cliquez sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La différence de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Pensez aussi de temps en temps à faire un petit tour sur ma playlist « Les conseils de Cécile ». Il y a des choses intéressantes spécialement pour vous. Allez, je suis impatiente de démarrer la séance avec vous, c'est parti. On y va, on s'échauffe un petit peu, on monte et on descend ses bras, on s'oxygène un maximum. Inspirez, soufflez profondément. Mettez votre corps en route en douceur. Allez, un petit peu d'assouplissement vers l'avant et un petit peu sur chaque côté. Commencez déjà à bien utiliser votre ventre en respirant. Et on se grandit au maximum. Allez, un petit peu plus dynamique pour finir. Et vous pouvez voir déjà la position du premier exercice. On va démarrer dans quelques secondes. C'est parti, pendant 20 secondes, je tiens cette position. Les bras sont tendus, je garde mon dos bien droit et j'utilise déjà ma respiration pour rentrer mon nombril au maximum, comme s'il voulait toucher la colonne vertébrale. C'est très très bien. 20 secondes de récupération. Respirez bien. Profitez de vous détendre à chaque repos. Et on y va dans la même position, on est en dynamique, on monte et on descend ses genoux. Travaillez avec votre respiration, c'est pas la vitesse qui est importante, c'est le gainage aujourd'hui. Et 20 secondes de pause, c'est très très bien. Allez, cette fois-ci, on se met en position de planche, on lève les genoux, tout le corps est ferme et la ceinture abdominale est bien gainée. Allez, ne bloquez pas votre respiration, mais serrez votre ventre. Voilà, 20 secondes de récupération. On continue en position de planche et je fais basculer mon bassin une fois à droite, une fois à gauche. Il est impératif de bien serrer son ventre. Le travail sera encore plus puissant et plus profond. Et 20 secondes de pause bien méritée. Détendez-vous, faites des petits étirements si vous voulez. On repart avec les genoux au sol et cette fois-ci, on tend son bras dans le prolongement de votre dos. Continuez à bien respirer avec votre ventre. Et 20 secondes de pause. Je vous encourage, c'est très très bien.
Et c'est parti avec l'autre bras. Allez, on tient le coup. On reste avec moi jusqu'à la fin. C'est une bonne séance que vous pouvez faire en complément. Et faire travailler son dos de cette manière, c'est très important. Ça doit être quasi quotidien. Et 20 secondes de récupération. On repart pendant 20 secondes où cette fois-ci on va relever un bras après l'autre. Attention de bien gainer, serrez vos abdominaux, ne creusez pas votre dos. Et 20 secondes de pause, c'est super ce que vous faites. Allez, allez! Et c'est parti, toujours la même position et cette fois-ci on vient toucher son épaule avec la main opposée. Tenez votre corps bien ferme, bien gainé. Vingt secondes de pause, on respire bien, on se détend. Allez, on y va, on est dans la même position et on vient ramener son genou sous la poitrine et on pousse loin vers l'arrière. On est en fin de mouvement quand on a la jambe bien tendue dans le prolongement du dos. Allez, travaillez toujours avec votre ventre bien serré. Ne bloquez pas votre respiration, accrochez-vous. Et 20 secondes de pause. Et c'est parti avec l'autre jambe. Allez, allez, encore quelques secondes. Il ne nous reste plus qu'un exercice après celui-ci. On voit la ligne d'arrivée. Et oui, je suis avec vous. Et encore 20 secondes de récupération. On se prépare pour ce dernier exercice. Et go! Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On ramène bien sous la poitrine. Une très très bonne séance. Je vous félicite, bravo à vous. Allez, faites quelques étirements pour détendre votre dos. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et s'il vous reste encore de l'énergie, je vous propose d'enchaîner avec celle-ci. Sinon, on pense en faire ces étirements. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. Et oui, on est toujours plus nombreuses et c'est vraiment chouette de se sentir ensemble. Je vous remercie d'être venu faire le sport avec moi. Prenez soin de vous et surtout, restez belles et rebelles. À très très vite, bye bye.